L'athlète olympique biélorusse Kristina Tymanowskaya est arrivée en Pologne. Craignant d'aller en prison dans son pays, la sprinteuse avait obtenu l'aide du Comité international olympique et s'est réfugiée à l'ambassade de Pologne jusqu'à son départ. La jeune femme devait initialement prendre un vol direct Tokyo-Varsovie, opéré par une compagnie polonaise. Au dernier moment, elle a changé d'itinéraire et fait une escale à Vienne par sécurité. Elle n'a pas demandé l'asile ici. Il semble qu'elle va voyager vers la Pologne. Kristina Tymanowskaya avait affirmé dimanche avoir échappé à un rapatriement forcé au Bélarus quelques jours après avoir ouvertement critiqué sa fédération d'athlétisme. Varsovie lui a proposé son aide. Elle avait un visa humanitaire, ce qui lui a permis d'entrer immédiatement en Pologne. Plusieurs pays ont condamné les agissements du Bélarus, ancienne république soviétique dirigée d'une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis 1994 et dont le fils n'est autre que le directeur du Comité national olympique.